Coucou, je viens à peine de finir l'autre vidéo de mes petits achats que je vais vous ouvrir la... Regardez mon petit hérisson. La sélection que Valérie m'a fait pour la DT d'octobre. Bon, je sais pas si ça va continuer ou pas, si c'est une fois ou pas. On verra. Moi, je prends comme ça vient. Voilà, je me prends pas la tête. Donc, c'est génial, elle tousse, elle se mouche. Vas-y. Ouais, il y a du vent, donc ça souffle. Donc, dans une petite pochette à bulles, c'est très sympa, ça. Je crois que je vais la garder. Voilà. Valérie m'a proposé de refaire partie de sa DT. Que j'ai bientôt... Oh, c'est joli ça. Que j'ai bien entendu accepté. Et on va découvrir ça tout de suite. Donc, je vais vous montrer les petits accessoires d'abord et je vous montrerai le papier. Alors, si vous entendez des bruits bizarres, un petit peu genre le Titanic ou le paquebot qui arrive, c'est dans ma ventilation. Il y a un truc qui vibre. On n'a pas trouvé ce que c'était. Et quand il y a du vent, bah, ça vibre et ça fait bouh comme un paquebot. Voilà. Alors ça, ça c'est génial. Je suis très très contente. Quand elle m'en a parlé au téléphone, j'ai dit oui. C'est une pâte de chez Stamperia, mais qui fait effet neige. Alors maintenant quand je vois Snow, je pense toujours à Snowy. Hein. Avant c'était Jon Snow, mais voilà. Donc c'est une pâte. Très très sympa. Hop, il y a une petite protection là pour que ça reste bien. Oh, trop bien. Bon, je trouve pas que ça sente, mais en même temps j'ai le nez complètement bouché ce matin, donc c'est sûr. Donc ouais, non, c'est sympa ça. Bah oui, je m'en suis mis sur les mains, c'est pas mal hein, ça. Hop, c'est pas très très mal. Bref, oh, un petit coup de mouchoir. Oui, bon allez. Oh bah c'est cool. Tu m'as mis de la colle aussi. Ça c'est bien. Enfin ça c'est bien, tout est bien mais. Donc ça, vous verrez ça. Si vous connaissez pas, vous verrez, c'est génial. Donc la pâte est blanche et il y a plein de petites paillettes. Je suis pas sûre que vous voyez très très bien, mais il y a plein de petites paillettes, c'est génial. Ensuite, donc pour aller avec la pâte, oui je ne sais plus où donner de la tête, un petit pochoir. Alors moi je suis pas du tout patouille, pâte de structure et tout, mais je me dis que les petits pochoirs, quand elle m'a proposé, j'ai dit ouais, ça pourrait le faire. Je suis pas pâte, je suis pas pochoir, je suis pas peinture, je suis pas tout ça. J'essaye un petit peu de coloriser, mais vous voyez c'est pas non plus un truc de fou. Et bah là, un petit pochoir flocon de neige. Voilà, donc le ça et ça, ça devrait être vraiment sympa pour les créas plutôt hiver. Bon bah c'est cool, j'aime le doré. Et elle m'a mis des petits cadres en doré, ça c'est super sympa aussi. Voilà. Alors on a, oui, au téléphone on a on parlait de fleurs pour agrémenter. Si elles sont sympas. Parce que j'avais dit, bon, moi, des roses, c'est pas sûr que ça... Bah, plutôt des bleus, voilà, si t'as des fleurs bleues, pourquoi pas. Mais là, il y a un petit assortiment de chez Prima. De toute façon, Prima, on se trompe jamais avec Prima. Hein. Voilà, c'est toujours très sympa. Et bah, ça va me permettre d'agrémenter un petit peu ma création. Je sais pas ce que je vais faire encore. Hein. J'ai pas encore vraiment réfléchi à ce que je vais faire. Mais c'est très inspirant, vous verrez, vous allez voir, le papier est très très inspirant. Cool, ouais, comme je disais tout à l'heure, cool, j'ai de la colle, en plus avec un petit embout, donc c'est génial. Alors là, il y a une découpe. Nature, ah voilà, oh c'est cool. Un super dies marqué nature, il est quand même bien bien grand. Donc il va falloir que je réfléchisse à une création un peu grande. Bah oui, je vais pas mettre sur une ATC. Hein. Donc voilà, merci beaucoup. Un petit morceau de simili. De simili cuir. Bon bah je pense que je vais faire une petite pochette.
Je verrai. Je verrai ce que je vais faire. Je ne sais pas encore. J'attendais de voir le papier pour avoir mon inspi. Et le papier se présente comme ça, dans les tons bleus. C'est très sympa, avec des animaux. J'ai vu là. Ouais, je vous montrerai après. J'ai vu vite fait là sur la couverture. C'est très très sympa. Maintenant, à voir les feuilles comment elles sont. Hein. Mais bon, je m'inquiète pas trop. Donc. Ah ouais, c'est joli. Alors, c'est de quelle marque ça? Ah bah, c'est la même marque que les dragons, en fait. Ah, d'accord. itdcollection.com. Je ne connais pas. Bon, voilà, clairement. Hein, je vais pas faire celle qui connaît alors qu'elle connaît pas. Hein. Voilà. ITD. Là. Niji. Voilà, donc nous avons, ah, c'est pareil, hein, ils font des grands trucs pour couper dedans, ça va me fendre le cœur. Hein. Je vous assure. Bon, celui-là encore ça va, on peut s'arranger pour découper en quart, on va dire. Donc allez, un nounours dans sa bulle, un pingouin dans sa bulle. Enfin dans sa bulle, non, devant une bulle, avec des fleurs et tout. Alors ça, je vais vous dire le fond de ma pensée, hein, vraiment. Les trucs maritimes. Aussi bien les trucs maritimes que les trucs de Noël. Enfin, de Noël, d'hiver. J'ai beaucoup de mal avec les fleurs. Voilà. J'ai beaucoup de mal. Mais là, franchement, bah, ça a fait changer d'avis. Hein. Vous voyez, là, il y a plein de petites fleurs en dessous. Ouais, ça le fait. Ah, un très joli fond. Alors, c'est marrant parce que eux, ils font un encadrement. Vous voyez, il y a toujours un petit encadrement blanc. Bon, bah ça, on peut le couper, hein, c'est pas gênant. Donc ça, ça passe par tout ça. Ouh là là, ça c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Avec des petites myrtilles et tout. Oh, bah tiens, tout à l'heure, je vais aller chez Cultura avec ma copine Caro. Et je vais voir s'ils ont sorti les décos d'hiver et d'acheter des petites baies myrtilles. Voilà, vous voyez, il y en a là, des petites myrtilles. Parce que moi, bien entendu, j'en ai des rouges. Ah, peut-être j'en ai des dorés, ça pourrait le faire. Mais pas des myrtilles bleues. Voilà. Ça aussi, c'est un fond avec des fleurs d'hiver. D'hiver, printemps-été, hein, pas diverses et variées. Après, c'est les deux aussi, c'est d'hiver. Oh, il y a un lapin. Il y avait tout à l'heure un lapin. Ah bah oui, je l'avais même pas vu. Donc là, c'est pareil. Alors, le thème, c'est les ronds. Alors, il va falloir que je me concentre sur les ronds et trouver une idée à faire avec des ronds. Voilà. Oh, ça, il y a quatre morceaux. Oh là là, ça aussi, après, c'est bon. Il va falloir que je me fasse attention pour le découpage parce que c'est très régulier, très rond. Enfin, vous verrez après, je suis en train de vous montrer ça. Vous voyez, il y a quatre fonds. Mais Valérie, franchement, elle a des papiers qu'on ne trouve pas ailleurs. Enfin, il y a des trucs qu'on trouve ailleurs, forcément. Mais il y a des petites pépites. Hein. Allez fouiller son site parce que vraiment, il y a des petites pépites. C'est ça, je vous disais, elle a bien découpé. Moi qui ne suis pas très très douée pour le découpage. Bon, là, c'est du rond. Si je m'applique, je prends mon temps et tout, ça devrait le faire. Vous voyez, le thème, c'est quand même le rond, les animaux d'hiver et les myrtilles. Voilà, mais il y a beaucoup de papier. Donc là, un très très grand papier. Donc ça, c'est bien. Ils sont que d'un côté. Hein. Donc ça, c'est pas plus mal. Parce que des fois, quand c'est des deux côtés, c'est psychologiquement compliqué. Donc là, des petites cartes, franchement, très très sympas. J'espère que le retour met bien en valeur les couleurs parce que vu que j'ai une luminosité de caca, on est le mardi 5 octobre, il n'est que 9h30 et il pleut comme jamais, non comme pas possible, et la luminosité est vraiment de chiotte. Donc voilà. Peut-être à assembler avec un papier bleu marine. Ouais, ça pourrait le faire.
Ouais, ça pourrait le faire. Alors là, c'est hyper sympa. C'est hyper sympa, mais c'est hyper découpable. Donc, voilà. Ouais, je crois que j'ai du papier bleu marine. Ouais, ça pourrait le faire. Bon, il serait un petit peu plus foncé, ça serait pas plus mal. Ouais, ça peut le faire, hein, regardez. Ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Mais pour faire quoi? Il faut que je réfléchisse. C'est très très joli, franchement. Merci Valérie de m'avoir proposé ça. Je suis très contente. The World of Ice Porcelain. Le monde de la porcelaine glacée. Je pense que ça veut dire ça. Ah mais non, c'est chouette. Hein. Attendez, je la remets à l'endroit parce que je crois qu'il y a un petit sens. Ils sont pas de la même dimension en hauteur et en largeur, je pense. Hop. Et voilà. Alors je pense que peut-être si ça doit exister les die cuts qui vont avec. Je pense. Je sais pas. Je ne sais pas. Tac, tac, tac et tac. Très joli. Très. Ouais. Un côté hivernal très sympa. Par contre, le bleu du. De ça, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça aille. Enfin, bon. Je sais pas. Le turquoise là. Bon, je sais pas. Je verrai bien. Donc, très très sympa. Donc, forcément, vu que j'ai les petites polaroïdes dorées, je pense qu'il y aura du bleu marine et des petites touches de doré. Enfin, on verra. On verra là. Je suis en train de réfléchir tout haut. Là, c'est tout moi. Bref, bah, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Donc, je m'imaginais pas du tout ça. Au téléphone, on m'a parlé d'un papier avec des pingouins et tout. Je sais pas, moi j'avais un truc plus enfantin, mais là je suis ravie parce que c'est ouais, c'est très sympa. C'est vrai. Et donc, maintenant il faut trouver un truc à faire. Donc je pense pas que ce sera un album, hein, parce que comme je disais au téléphone, je fais dès qu'il y a un truc, c'est des albums, je fais franchement. Album, enfin bon, voilà. Au bout d'un moment, je dis pas, il y en a marre des albums, hein. Mais moi, ça me saoule un peu les albums. Donc c'est pour ça que vous n'en voyez pas souvent sur ma chaîne. Voilà, bon bah écoutez, je vais finir mon petit café. Je vais aller faire ma vaisselle. Et je vais aller réfléchir à ce que je vais vous proposer avec ce papier. Voilà, d'ailleurs je vais aller chercher. J'ai des boîtes 30-30, donc je vais aller mettre tout de suite la collection dans la boîte 30-30. Comme ça, j'aurai pas besoin du papier, parce qu'à chaque fois, enfin à chaque fois, non pas à chaque fois, mais bien souvent ce papier là il y a une petite bande de scotch, enfin d'autocollant, et des fois ça me colle sur le papier, puis comme par hasard c'est toujours à des endroits où il faut pas, et bah ça m'abîme le papier. Donc là je vais mettre dans une boîte, j'ai des boîtes pas très épaisses dans lesquelles je vais pouvoir les ranger. Bon, j'ai le nez qui va exploser. Je vous laisse. Je vais boire mon café avant qu'il soit complètement froid. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Allez, ciao !